Chers amis, je vous salue et je vous souhaite la bienvenue autour d'un auteur, d'un livre et d'un texte. Aujourd'hui, je vais dire la première page du roman de Nicole Couder. L'enfant au billard électrique, publié chez POL. L'enfant au billard électrique. Le train glisse sur le paysage. Il roule à grande vitesse. Claire est assise dans le sens de la marche, en route vers le Pas-de-Calais, comme chaque lundi matin depuis plusieurs semaines. Elle se sent tirée de Paris, emportée malgré elle. Une force la retient et pourtant elle se laisse aller. Elle n'est pas mécontente d'être emportée, comme si elle quittait la masse imposante et les hauteurs de la grande ville pour aller vers des espaces plus larges, aux constructions plus familières, plus réduites. Dans ce temps du trajet, souvent, elle se sent envahie d'un surcroît de vie. Elle est captive d'une impression brusque qui l'emporte sur toutes les autres sensations diverses qui pourraient l'atténuer. Dans ce temps suspendu, où elle a peur d'oublier Paris, peur d'avoir à se plonger dans ce nouveau lieu de travail, il lui semble pouvoir être la plus lucide. La dimension juste de la vie, c'est dans ce train qu'elle l'entrevoit. Quand elle ne sait pas encore exactement ce qu'elle a quitté, pas encore ce qu'elle va retrouver. Elle hésite, comme elle le ferait devant une table à dessin penchée sur le cadastre, quand l'ingénieur qu'elle est n'a toujours pas décidé d'un tracé, d'une ligne électrique pour aménager la campagne. Mais là, dans le train, elle oublie son métier. Elle se laisse porter dans un état où les traits de lumière dans les arbres, où le défilé régulier du paysage, que ne vient pour le moment encombrer aucune ville, parfois distraire simplement quelques hameaux, permet à son esprit de se détacher du contingent pour hésiter un instant entre toutes les impressions fortuites que lui procure ce dépaysement. C'est comme si elle se réveillait brusquement là, dans un autre lieu, sans savoir exactement où, dans quel temps, dans quel espace. Elle a perdu ses repères, son aptitude à mesurer, à planifier. À travers ce tâtonnement somnambulique, elle a la plus exacte représentation de sa vie, dans une solitude où l'échelle des valeurs ne peut être trouvée qu'en dehors de toutes les banalités qu'elle entend dire et voit vivre. En dehors de cette frivolité qui l'a fait se dépenser,
comme tout le monde, sans retenir le secret de ses sentiments, de ses peurs d'ordinaire diluées dans ce que les gens appellent la réalité. Dans cette récréation du trajet en train, elle est saisie au seuil de l'essentiel. Et c'est un bonheur. Même si dans ces moments-là, son amour pour Marc lui semble la réduire à une passivité qui la rend le jouet de toutes les situations. Où elle a perdu la puissance de penser, d'inventer ce qui aurait pu faire la noblesse de leur vie. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.